Salut les amis, c'est Delta et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de ma série sur Assassin's Creed. Donc on devrait aller voir Papy Grenier là qui nous attend pour nous donner le prochain ennemi à tuer. Donc ça devrait se faire assez rapidement. On a déjà tué 2 cibles sur 7. Donc Talal et Tamir, donc Jérusalem et Damas. Je sais pas laquelle est la prochaine ville, de toute façon normalement il devrait tout nous dire là-dessus. Et on va voir l'animation tout de suite, donc je me tais. La mission est donc achevée. Le marchand d'esclaves est mort. Oui, mes oiseaux m'ont prévenu. La guerre est bien détestable. Ils vont tous avoir besoin de soldats. En tuant ces hommes, tu as sauvé de nombreuses vies. Tu as privé les croisés et les sarrasins de troupes supplémentaires. Vivant une période sombre, une vie n'a de valeur que si elle rapporte de l'argent. Sa conception était différente. Il disait qu'ils n'étaient pas des esclaves, qu'ils leur donnaient en aide. Sais-tu à quoi on peut reconnaître qu'un homme est fou? Il parle tout seul? Il se flagelle? Non. Tout simplement, il parle et il agit, comme si le mal n'existait pas. Je ne comprends pas. Rares sont ceux qui admettent l'existence du mal. Il rationalise, il les explique. Donc il mentait. Je te l'affirme, même si je n'étais pas là pour le voir ou l'entendre, si j'en crois tes dires, il tentait simplement de justifier ses actes. Je les ai vus, ceux dont il voulait faire des esclaves. Ils étaient étranges, vieux, malades ou fous. Faibles surtout. Rien de plus simple que de prendre un homme brisé et d'en faire un soldat. On lui donne ce dont il a été privé, et on lui en promet plus. La tâche n'est pas aisée. Oui, et en retour on obtient une obéissance totale. Sachant tout ce qu'ils ont à perdre, de tels hommes ne trahiraient pas leur sauveur. C'est une théorie intéressante. Tu vois, plus tant de choses à t'apprendre. Tout n'est que tromperie. On trompe les autres, on se trompe soi-même. Apprends à verser les orbes à jour. Car sache que rien n'est vrai. Et tout est permis. Va, poursuis la mission que tu as commencée. Gravis un nouvel échelon. Nous te restituons une partie de ton équipement. Je te reverrai quand ta prochaine cible sera morte. Voilà, donc normalement il devrait nous le mettre sur la carte. Je sais pas ce qu'on a gagné. ADN augmenté, bon, ça c'est bien. Nouvelle arme couteau de lancer. Ah, je sais pas qu'on en avait. Aptitude, bousculé. Ok. Bon, c'est déjà ça. On va dire que c'est déjà ça. On va aller faire la mission tout de suite. Aller retrouver... aller à la ville directement. Il va bousculer quelqu'un. Bah ouais, c'est le but. Voilà, bon, ça marche. Oh yeah! Superman! Ah non, là j'ai raté. Mon dieu, c'est Hitman! Il gère un Hitman. Faut pas l'embêter, hein. Oh là. C'était très gentil comme geste. Voilà, donc on va essayer de rejoindre le plus vite possible la route en espérant la trouver facilement un peu après, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est un petit peu, ça se répète l'histoire, il faut toujours aller chercher une cible, aller chercher des informations et puis tuer la cible pour revenir et puis pour aller retuer notre cible ensuite. À partir du moment où on va devoir, où on aura tué notre sixième cible, là, ça va commencer à changer. Et la fin est vraiment très intéressante. On voit que les concepteurs sont un peu plus basés sur une histoire avec une suite. Et c'est là qu'on va découvrir un peu Assassin's Creed 2, donc sans plagier. On va découvrir Assassin's Creed 2 sans plagier, sans spoiler. On va découvrir Assassin's Creed 2. Là, vous pourrez voir que l'histoire, bah, il y aura vraiment un bon gameplay avec une histoire dans le fond, ça va pas être tuer des cibles toutes les 5 minutes, mais
ça va être vraiment très intéressant et puis j'espère que cette série vous plaira également comme elle vous plaît, comme celle-là vous plaît. Donc si elle vous plaît pas celle-là, bah, dites-le moi tout de suite, comme ça je saurai au moins si je dois continuer ou pas. Donc là cette fois-ci on va essayer de rejoindre l'autre croix, donc prendre l'autre chemin, prendre le chemin de tout à l'heure. Ah oui, cette fois-ci on a la distance, donc c'est bon, on va pouvoir voir un petit peu quel chemin emprunter. Ça va être plus facile pour déterminer le chemin à prendre. Donc encore 1 km à pied. Bon, ça va, heureusement qu'on est en cheval, parce que sinon j'imagine même pas le trajet. Je sais même pas dans quelle ville on doit aller. Bon, on va le découvrir encore une fois très vite, je pense. Ouais, on va continuer. Voilà, de toute façon, je sais pas comment il pourrait nous arrêter ici. Voilà, allez, plus que 800 mètres, bon, ça va aller. Ça devrait aller vite. Il y a pas un chemin par là? Non. Voilà. On essaie de s'éloigner le moins possible. Ça fait toujours difficile. Et normalement, ça devrait le faire. On trouve un chemin à droite et ça devrait arriver rapidement. Donc en fait c'est le même chemin que tout à l'heure, à mon avis les villes sont vraiment très proches, c'est juste que nous on est vraiment très éloignés. Je sais pas s'il y avait un chemin à droite. Si c'est un chemin ça. Ah ben non. Ça, voilà. À partir de là, ça devrait aller très vite, parce qu'on va devoir faire des lignes droites. Et voilà. Mais ce qui est bien quand même, sinon à part tuer toujours les mêmes personnes, c'est que derrière, il y a quand même une histoire et qu'on découvre petit à petit ce que les cibles pensent de la mission d'Altaïr. Et que derrière toute cette mission, bah, y a une histoire que vous découvrirez à la fin. Donc encore une fois, sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore joué au jeu et qui comptent y jouer, même si c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est sorti déjà. Je connais pas l'année exacte, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà. Normalement, je crois qu'ils en sortent un tous les ans. Donc si vous voulez vous amuser à faire des soustractions, moi j'ai pas envie tout de suite. Je préfère commenter comme ça. Au feeling, donc si vous avez envie d'aller chercher une information, bah vous allez le voir. Sinon, si vous voulez découvrir le jeu, enfin l'histoire d'une autre manière, je vous invite encore une fois, je l'avais déjà fait une première fois, à lire des petits livres qui sont sortis, je sais plus quelle édition, mais ils sont sortis, ils ont l'air pas mal du tout. Je me suis acheté le premier, j'ai pas encore lu, ça devrait pas tarder. Comment, parce que là je me fais plein de séries à la suite de livres. C'est vrai que je m'arrête un petit peu en ce moment. Enfin bref, si vous voulez lire, vous pouvez, il y en a encore qui sont à vendre sur internet, donc vous pouvez et même dans vos magasins vous pouvez en acheter. Je pense que de toute façon il y en a. Ça m'a l'air bien gardé cette ville là. Ouais, ça m'a l'air même très bien gardé. Donc vous pouvez les acheter, ça raconte toute l'histoire. Et c'est vraiment bien raconté. J'espère que je vais pas mourir. Voilà. Donc c'est vraiment très bien raconté. Et puis ça retrace parce que j'ai lu quelques passages quand même du début. Pour voir comment c'est écrit. Et c'est vraiment bien écrit. Et on revoit quelques passages du jeu. Donc ça, pour les connaisseurs du jeu, vous pouvez avoir une petite nostalgie. C'est encore une fois un complément du jeu. Donc ils ont vraiment bien fait Ubisoft. Enfin, je sais pas.
parce qu'il a été écrit. Mais c'était bien fait, toujours un complément en plus pour intéresser, qui était fait pour les intéresser. Donc on va essayer de récupérer de la vie avant d'attaquer les monsieur là-haut. Donc c'est vraiment pas mal. Ce qu'il y a de bien aussi dans le jeu, c'est qu'on peut découvrir des personnalités très connues. De toute façon, vous le découvrirez dans mon let's play, dans mon prochain let's play. On peut découvrir des personnalités que vous connaissez pour la plupart. Voilà, donc des personnalités, et ça je trouve ça intéressant, l'interactivité qu'il y a. Ça donne un autre aspect au jeu. Et puis c'est toujours sympa de jouer à Assassin's Creed, donc si vous savez pas quel jeu acheter, bah n'hésitez plus. Assassin's Creed est fait pour vous, en plus c'est... Voilà, c'est très intéressant. Et puis, plus on avance dans l'histoire, enfin, vaut mieux commencer par le premier. Et puis avancer un petit peu dans l'histoire, mais vous verrez que les jeux, même s'il y a un petit peu long de jeu, enfin, c'est pas non plus du Skyrim, mais il y a pas mal de temps, enfin, il vous a un bon petit temps de jeu. Déjà, je sais plus en combien de temps je l'ai fini la première fois. En pas mal d'heures, en tout cas, ça se finit c'est plus long que la campagne de Black Ops 2, en tout cas, ça c'est sûr, ou même qu'aucun Call of, enfin que tous les Call of, c'est plus long que la campagne, enfin que deux campagnes de Call of assemblées, on va dire ça comme ça, c'est encore plus long, enfin j'arrive pas à voir un petit peu combien d'heures de jeu en moyenne sur. Sur cela, enfin bon, vous devez avancer assez vite quand même sur Assassin's Creed, non pas par le temps de jeu limité, mais par l'intéressement qu'on a. À partir du moment où vous commencez à allumer votre Assassin's Creed et que vous commencez le gameplay, vous verrez que vous n'arriverez plus à vous arrêter et ça va être vraiment un gros plaisir que vous aurez. Surtout en tant que gamer, ça va être un bonheur. Donc là, apparemment, on arrive dans une ville assez pauvre, on va prendre un... Comme d'habitude, on a des cibles à interroger. Asseyez-vous sur un banc. Ouais, je pense que c'est ici. Voilà. Tu as pris pour Alain, l'archer qui gardait le haie, son frère, pauvre diable, a reçu une flèche dans la gorge. C'est doute qu'il passe la nuit. Il parvient quand même à rester à son poste. Il lui rend souvent visite alors. Je le remplace quand je peux. Pas en ce moment. Non. J'ai des choses à régler. Des affaires de famille. Alors espérons que le médecin n'apprenne pas sa désertion. Il n'en sera rien. À moins qu'il nous dise. Ne t'en fais pas. Votre secret sera bien gardé. Voilà. Alors, on va essayer de trouver le bureau des assassins. Et on va s'arrêter là, les amis, je vous propose. Voilà, donc je vous propose d'arrêter là, derrière. Mais c'est des morts, ça? Ok, j'avais jamais remarqué dans cette ville, mais vraiment c'est une ville pauvre hein, celle-là. Ouais, quand même, j'avais jamais remarqué des morts qui traînaient par terre, enfin moi en même temps. Il y a certains jeux bien pires quand même. Tais-toi. Et toi, t'as quelque chose à faire sur le toit? Hein? Voilà. Allez, crème. Allez. Voilà. Et il synchronise. On va découvrir la base. On va y aller. Il va parler un petit peu et puis on va s'arrêter là. Parce que c'est vrai que ça passe vraiment très vite, un quart d'heure. Puis je vois que l'histoire, je l'avance vraiment. On l'avance vraiment assez vite. Enfin, moi qui. Ça fait un petit moment que je joue quand même là aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça avance très vite comme histoire. Donc vous verrez que plus ça va, plus les. Enfin, surtout Robert de Sablé, etc., sont vraiment très durs à tuer.
si vous avez pas, si vous n'arrivez pas à manœuvrer l'épée comme, comme ça se passait en, en début de, enfin, aujourd'hui en tout cas, pour ma part. Bon, en fait, ça va assez vite à mon avis. C'est le 2 et le 2, les machins comme ça qui sont un peu plus longs. Enfin, plus, un peu plus, ouais, un peu plus longs. J'arrive plus à parler aujourd'hui. Plus ça va, plus je fais de commentaires. Moi, j'arrive à dire des trucs. Ça, j'ai remarqué aussi. Ouais. Donc, je prévois aussi de mettre d'autres choses que. Enfin, peut-être que je l'ai déjà sorti d'ailleurs. J'ai sûrement déjà sorti avant de sortir cette vidéo. Oui, c'est logique. Je parle dans le futur. J'aime pas faire ça, mais. Voilà, peut-être que normalement. Ah, c'était sur le toit, génial. Normalement, j'aurais déjà sorti cette vidéo avant. Donc, je vous en parle pas plus si je l'ai pas sorti. Voilà. Et on va s'arrêter là. Je me doutais bien que tu finirais par venir me voir. Al-Mu'alli m'a ordonné l'exécution du garnier de Naples. Alors me voilà. Que peux-tu me dire à son sujet? Il est le grand maître des chevaliers hospitaliers. Et il a dû s'établir dans leur quartier. N'en sais pas beaucoup plus sur lui. Va te promener dans la cité et essaie d'interroger les habitants. Dis-moi où les membres se retrouvent et je te décrirai. Commence par les jardins publics. Dis-moi ce qu'il en reste. Ils sont situés au nord. Le marché abandonné au nord-ouest nous invite également au nord. Sans oublier l'église Marie-Joseph, à l'ouest, qui elle aussi est très fréquente. Ces trois lieux devraient suffire à te mettre sur la voie. Merci pour ces informations. J'en ferai bon usage. Ça, je n'en doute pas. Voilà, donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre un pouce vert comme d'habitude, de laisser un commentaire concernant les choses dont je vous ai parlé, d'un commentaire concernant la vidéo aussi, parce que j'aime toujours en recevoir, de vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos et puis pour voir un petit peu ce que je fais d'autre sur ma chaîne, pour voir mes prochains projets, pour me récompenser mon travail. Partagez aussi la vidéo, ça me fera vraiment très plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés, c'est vraiment toujours un super plaisir, même si c'est un abonné par semaine, ça fait vraiment toujours très plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent de plus en plus à mon travail. Et on se dit à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.